S'il y a bien une catégorie de produits concernant laquelle il est très compliqué de se faire un avis sans avoir testé plein de modèles soi-même, c'est celle des fauteuils gaming. Entre la qualité sur le long terme, le marketing, le design, les morphologies différentes de chacun et surtout les besoins en termes d'utilisation, il n'est pas facile de faire son choix parmi tous les modèles du marché. On va malgré tout aujourd'hui essayer de t'aider un peu en te présentant de fond en comble l'un des modèles les plus haut de gamme du marché, le Noble Chairs Icon. On le sait, les fauteuils gaming tirent leur forme des sièges baquets des plus grosses voitures de sport. Le nouveau modèle de Noble Chairs, le Icon, ne fait pas exception à la règle. Sa forme, beaucoup plus sobre que celle des Epic par exemple, s'inspire directement de celle des sièges des Mythic 911 de chez Porsche et 570S entre autres de chez McLaren. Quand le colis de 30 kg est arrivé dans les locaux, on a vite compris à quoi on avait affaire. Notre pauvre table de présentation faisait bien pâle figure à côté du carton immense du fauteuil et on a d'ailleurs dû la décaler pour pouvoir le faire entrer dans le studio. Une fois monté, on se trouve face à un fauteuil qui fait jusqu'à 138 cm de haut, avec un dossier de 86 cm de haut et 52 cm de large, et une assise de 49 par 51 cm, soit 2499 cm² disponibles pour t'asseoir et 4472 cm² pour poser ton dos. De quoi convenir à tout le monde. Basé sur une structure en acier, ce fauteuil est rempli d'une mousse haute densité de 55 kg par mètre cube. Les professionnels du secteur estimant qu'une mousse à 40 kg par mètre cube est de très haute qualité et extrêmement durable en utilisation intensive, une telle densité présage du très bon pour le dos et les reins sur le long terme. Pour recouvrir cette mousse, Noble Chairs a opté pour du simili-cuir vegan. Certes, ce choix peut ne pas convenir aux amoureux du cuir, mais il nous convient parfaitement vis-à-vis des animaux. Ceci dit, des modèles plus onéreux et entièrement en cuir ont été prévus pour ceux qui seraient intéressés. Notre modèle, donc en simili-cuir, est disponible avec les surpiqûres de 4 couleurs différentes, noir, rouge, bleu ou blanche. Ici, on a choisi le coloris blanc pour que la couleur du Icon se marie parfaitement avec notre config à dominante violette tout en n'étant pas totalement noir. Si sur les photos les surpiqûres blanches semblent assez discrètes, une fois le fauteuil face à nous, elles ressortent énormément et ajoutent une profondeur non négligeable à son esthétique globale. Sur l'assise, Noble Chairs a intégré un système permettant au dossier de basculer jusqu'à 135 degrés pour nous permettre de piquer un somme en attendant que nos mates nous rejoignent en partie par exemple, ou en attendant le prochain épisode de... Insérer ici le nom de ta série préférée. Là où on s'est véritablement rendu compte de la qualité du fauteuil jusque dans les moindres détails, c'est quand on a retourné cette assise. On y a découvert une sangle de renfort pour que l'assise ne s'affaisse pas au fil des années, en plus d'une structure en métal qui vient maintenir le simili. Cousu sur lui-même, ce dernier laisse passer une tige qui est elle-même maintenue par des anneaux en métal. Le risque que ça bouge avec le temps est donc réduit au minimum. Les accoudoirs, livrés prémontés sur l'assise, sont présentés comme des accoudoirs 4D. En langage humain, ça signifie qu'ils peuvent être réglés en hauteur évidemment, mais également en largeur, selon si on veut plus ou moins écarter les bras, en avant ou en arrière par rapport à l'assise, et qu'on peut également régler leur rotation. A noter, le réglage en largeur se fait non seulement sur les accoudoirs eux-mêmes pour les réglages fins, mais également sous l'assise pour permettre d'avoir beaucoup plus de marge de manœuvre. De quoi convenir à tous les gabarits. Attention quand même, on a dû entièrement dévisser les deux accoudoirs puis les tirer doucement mais sûrement pour pouvoir les décoller du simili-cuir la première fois. Tous ceux qui ont déjà eu du simili-cuir connaissent ça, ça n'est rien de grave, mais ça surprend, donc pas de panique si tu dois le faire aussi. Pour soutenir l'assise, le dossier et... eh bien nous, on peut compter sur un vérin hydraulique supportant jusqu'à 150 kg de charge. Ce vérin s'emboîte sur le système de balancier qui peut s'incliner à 11 degrés et qui est à l'image du reste du fauteuil, très solide et bien fini. Toute sa structure est en acier et il offre un design original puisque contrairement à la majorité des fauteuils du marché, son axe d'inclinaison est décalé par rapport à la base du pied. Volontaire ou non, cette particularité nous a d'ailleurs fait penser aux suspensions à double triangulation qui équipent énormément de voitures en compétition, dont évidemment la 911 et la 570S sur lesquelles se base la forme du Icon. Enfin, et c'est là qu'on voit le soin apporté par Noble Chairs à tous les étages de son Icon, le piétement à 5 branches est en métal noir renforcé à l'intérieur pour faire en sorte que rien ne bouge sur le long terme. Sous ce piétement, on retrouvera évidemment les 5 roues, classiques dans leur forme, mais qui sont elles aussi de très bonne facture. En plus du fauteuil, deux coussins brodés sont fournis, comme sur l'immense majorité des sièges gaming. Ceci dit, outre leur souplesse, le fait d'avoir choisi du velours comme matière leur donne un cachet supérieur aux coussins qu'on voit habituellement sur ce genre de fauteuil. Malheureusement, si celui qui est au niveau de la tête est maintenu par une bande élastique très commune sur ces sièges, le second, destiné aux lombaires, ne peut pas être fixé de fait de la forme du fauteuil. Le fait que le dossier n'ait pas de trou ne permet pas d'y passer des sangles et donc de régler le coussin à la hauteur qu'on veut, soit on le pose au fond de l'assise, soit on l'enlève. Ceci dit, à l'utilisation, ce problème n'en est pas un et permet même de faire ressortir un très gros point fort à la concurrence, le maintien des lombaires. Si le coussin pour la nuque est appréciable, la forme de base du fauteuil fait qu'on n'a pas besoin du coussin pour les lombaires tant il est ergonomique.
Quand la majorité des fauteuils gamers du marché ont un dossier très droit et plat, celui-ci vient appuyer dans le bas du dos et aider à maintenir une posture extrêmement confortable et adéquate. Enfin, Noble Chairs nous livre une notice de montage et d'utilisation sous forme de mini-livre en papier cartonné en A4, très plaisant en termes d'expérience utilisateur. Tout dans ce fauteuil, jusqu'aux finitions, semble basé sur un même souhait, classique, sobre, en ne faisant surtout pas dans l'excentricité, mais d'une qualité hors norme. C'est le genre de fauteuil qu'on peut aisément imaginer dans un building d'affaires tout autant que dans le QG d'un hardcore gamer, ou en l'occurrence dans nos bureaux. En termes de confort, il s'agit ici de l'un des meilleurs fauteuils qu'on ait pu tester et il a remplacé instantanément l'ancien fauteuil que nous avions tant ses points forts sont nombreux. Le long vérin permet de monter l'assise très haut et convient donc parfaitement à nos grands bureaux. Les accoudoirs 4D offrent la possibilité de les régler selon notre morphologie exacte. Le dossier maintient parfaitement le dos de haut en bas, ses rebords latéraux sont d'ailleurs assez présents pour faire office de cocon sans nous empêcher de bouger pour autant et le coussin de nuque ferait presque office d'oreiller tant il est confortable. Enfin, la possibilité de verrouiller l'inclinaison de l'assise à n'importe quel angle pour ne pas que le fauteuil ne remonte lors de nos siestes après manger a été la cerise sur le gâteau. Si tu as des questions ou que tu l'as déjà et que tu veux nous envoyer des photos, on est aussi là pour toi sur Twitter, Facebook, Snapchat et Instagram. N'hésite pas à nous donner ton avis sur cette bête de confort en commentaire, à nous dire si des reviews d'autres modèles de fauteuils t'intéressent pour pouvoir les comparer, et d'ici là, il ne nous reste plus qu'à te souhaiter un bon jeu et on te retrouve dans la prochaine vidéo.